suis impressionné par mon style. Oh oui, de pierre noire, allez. On prend ça, on prend ça, et on prend ça, voyons. Donc ça, on va bientôt obtenir un anneau ultime. Bim! Voilà. Là, on est bien. Toi, je dois me battre contre moi-même. Amatano Senjo Samayo, Tsumiageta Shikabane no ue ni koshi o orosu no wa ikudome ni naru. Ah! Ah, ce combat de frères jumeaux! N'importe quoi! Le truc qui n'a vraiment aucun sens, quoi! Yoku yaru.
て300年。やはり人の中に求めしは無駄なことか。En tout cas, c'est bien, hein. Pour ceux qui adorent Zod, là, c'est double dose, là. Là, c'est même une autre partie. Et ça, vraiment, c'est propre. Ça veut dire qu'à la fin, on se bat contre soi-même. Ouais! Ouais! Ça peut être classe. Totalement what the fuck, mais classe. Planquette derrière 40 archers, bah tiens, pourquoi je suis surpris? C'est un apôtre, oui tu es mort. Ah d'accord, il y a quand même un peu scénarisé parce qu'en gros, il dit il peut n'y avoir qu'un qui sera moi le vrai Zod. Donc c'est un brin scénarisé visiblement. Comme je le souille en humain, enfin, lui en humain, moi en apôtre. Regarde-moi ça, cette souillure, quoi. Yeah.
てくれるならば、強者と戦うために得たこの力で、Oh, il faut que je me reprends, il faut que je chauffe de la rage. Apôtre contre apôtre. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être poétique, ça va être épique même. Allez. Oh oui, ça va être beau. Oh, ce combat de titan, quoi. Mon ultime! Le cerise. Oh, matériaux, rien de pour moi, ça fait plaisir. Ah, du pognon, j'aime bien ça. Surtout que je suis vraiment déjà crevé. Ah bah voilà, je peux arrêter d'amalgamer. Faudra juste que je chope un troisième anneau de jet, comme ça... Hmm.
Oh là, ah mais c'est stylé quand même d'avoir les trois comme ça. Très très stylé. Je suis vraiment pas fan de l'épée de Zod. En point de vue design, moi, j'entends. Hein. Une épée comme ça en croissant de lune, je suis pas fan. Je préfère vraiment une grosse épée médiévale comme God. C'est ma préférée, hein, c'est pas une blague. Ça reste tout ce qui est rapière, genre. Ou les épées très fines, comme celle de Casca. Casca qui est mon personnage préféré du manga, je tiens à le rappeler. Oh putain, je me bats contre Skull Knight. Oh, trop bien ça. Enfin, il faut aussi savoir que, bon, ça c'est pas encore bien taillé dans le manga, on se prend pour grand chose. Mais on sait qu'il y a, il y a un passif entre deux. Et que visiblement ils se considèrent comme deux putains de rivaux. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas jouer Skull Knight dans le jeu. Il est tellement stylé quoi, regardez-moi ça. Il a fait moins de classe vu qu'on vient de le tuer comme une merde, mais... Ça court, gamin. Ah là, je dois aider Pipine contre Bazouzou, ok. ひねってくれるわ。怪物だと？聞いておらんぞ。
méchant, Bazouzou. Et n'empêche les mecs ils se laissent pas démonter quand même hein, parce que je suis quand même à plus de 839 kills quoi. Et les mecs ils viennent sur moi alors que je les dépop par l'autre 10 quoi. Oh, Silat. Ok. Ça va être intéressant ça. Parce que Silat, ça va. Vu qu'il a tes grosses attaques avec une grosse portée de ouf, il se défend un peu quoi, comparé aux autres boss. Ah, et lui, je pourrais utiliser le mode berserk. Parce que je pars du principe que je me mettrai pas en apôtre ni en berserk s'ils ont une barre de vie au-dessus de leur tête. Pas une grosse barre de vie comme là. Allez, gros nettoyage! Ouh, un niveau en plus, ouais. Ça a l'air bien ça.
fait, allez, on y retourne. Et donc là, on va contre l'armée de Tudor. Qui est donc l'armée rivale au Midland. Hein. On va donner un peu de contexte. Mais t'as fait de me sauter à la gueule d'un albar, toi, ce petit coquin. Mais un vislard, j'aime bien ça. Et voir combien toi tu vas faire face à moi. Ah, pas longtemps en fait. C'est tout? Ah d'accord. Ah mais d'accord. C'est la déception. Ah, il est là-bas, ok. Oh, il y a une unité qui rend TPV. Ouais, ça, ça je suis pas contre pour le coup. Attendez, je veux voir ça. Comment tu montes sur un cheval? Ah bah ouais, pourquoi pas. Là, tu es victimisé par votre vidéo, quoi. Putain, c'est la bonne blague.
Quoi, c'est tout? Lui, 2 PU à tuer, ok. C'est que tu machines ce jeu. Ah mais en fait on va vraiment plus ressemble en apôtre en fait. C'est vraiment plus sympa. Ouais, je voulais tester ton truc spécial. Ah ok, oui, Al qui se joint à la fête. Allez. Bon là je dépasse plus. Non plus. Mais vraiment le déséquilibre dans les personnages quoi. Vraiment Guts et pour le moment Zod c'est totalement pété quoi. Par contre, on va faire encore un dernier truc pour en partir là pour aujourd'hui, les amis, parce que bon, ça fait un petit moment qu'on stream. Malheureusement, j'ai de la visite aujourd'hui encore, hein, comme d'habitude, hein, comme tous les jeudis et vendredis en fait. Et parce que, bah, on tourne en rond quand même un peu avec ce jeu.
大募集。さあ、面白いやつはいるかな。Ah, ça c'est la mission obligatoire quand ils recrutent, oui. Ok. Même si ça le part. Ah, Don, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai. Là, il y aura deux boss. Il faut que je bute un pour écouter l'autre. Ouais, c'est vrai. まいっちゃったか。よくやった。ますます盛り上がってきた。明日の出番取っておいてくれやしたか。ボスコーンの首が欲しいものはおるか。Donc je laisse entre Gaston et Boss Cogne. Je vais prendre Boss Cogne. Alors je sais, ça change rien, mais bon. D'un point de vue roleplay quand même, je vais essayer de recruter les plus forts quand même. Donc Boss Cogne, c'est le rouge, c'est le jaune. Gaston, il est là-bas. Non, je veux tuer Gaston. わけには。
る診断員だ。さあ黒犬騎士団心得。Ah, il y a un démon qui a Bélite là-bas. Bon, allez, on va le faire. Enjoy and exciting, Daroga! On va le faire, histoire d'être propre quand même. Par contre, on va prendre le canasson. Ah, oh, c'était une nature qui m'allait dégueulasse, n'empêche. Oui, j'ai un chat à côté de moi. Hein. Non, je le rêve pas parce qu'il est trop bas par rapport à la webcam. Et il a fait un petit bruit en baillant, tout mignon. Je dois le confirmer, oui, effectivement, je me fais chier sur ton jeu. J'avais un bélier, ça valait le coup. Allez là mon compte poney. Non mais laissez-moi prendre mon compte poney s'il vous plaît. Oh là là, mais cette démarche d'abouti quoi. Mais enfin, regardez-moi ça quoi. Ça ressemble à rien, vraiment l'animation sur Zod. On dirait un putain d'attardé quoi. Ah, et là je dois tuer Wihald, ok. Et donc là je dois le tuer une deuxième fois en apôtre, je suppose. Ah, j'ai récupéré toute ma vie en plus. Ouais voilà, donc là je dois le tuer en apôtre. Yeah.
Alors je ne fais pas le démon de la guerre là parce que je sais qu'on l'a déjà buté. Et c'est là que oui, tu te dis, j'ai fait une merde. Ah, par contre, ça, par contre, ça c'est canon, ça. Et voilà, ça c'était le combat Zotte contre Wihald. Enfin, je pense qu'on a débloqué Wihald dans ça, mais bon. Ah, par contre, au niveau matériau, ça déplane pas. Ah, je dois vendre des trucs tant que j'ai pas. Oh. Et donc voilà, c'est ça le mode Eclipse avec Zod, quoi. C'est vraiment du bourrinage, mais bien badass, bien brutal. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis, parce que voilà, il est déjà pratiquement. Ah, il est déjà 5h en fait, j'ai bientôt de la visite à la maison. Et bon, voilà, on a fait un peu le tour, je pense, hein, pour ce perso là. Hein. Donc écoutez, bah, je remercie à tous ceux qui ont regardé le stream et ont participé. Ça m'a fait très très plaisir. Alors n'hésitez pas à nous follow sur la chaîne, à nous suivre sur Facebook et Twitter pour savoir quand c'est qu'on stream. Et à voir la chaîne Techlopathe et que Highlake, Toulouse, je sais pas quoi, Widina ainsi que Dartakil. Moi sur ce, je vous dis donc à la prochaine fois sur Entraide Live où on prendra donc l'aventure Uncharted. Allez, salut tout le monde!